Léa. Je vais la récupérer quand? C'est qui va s'occuper de ma fille? C'est confidentiel, Sonia. Non! Elle va être fuckée le reste de ses jours! C'est moi, sa mère! Ça va toujours rester moi, sa mère! Je peux pas croire que tu veux nommer. C'est juste mon coup d'heure. Pourquoi? Parce que sa mère biologique a décidé de se reprendre en main? Elle s'en occupe très bien. Ouais. Mais tu diras de pas trop s'attacher parce que je parlais de la chercher. On avait rendez-vous avec la travailleuse sociale pour voir ma fille. La TS va penser que j'ai tué. Ok, puis je m'entends pas pour moi. Tantôt, Sonia va nous parler de sa fille. Ben oui, je sais. C'est juste que des mères à qui la DPJ enlève le bébé dans la région de l'Ontario. Tu comprends? Mais tu m'as déjà dit, peu importe comment ça se termine, la petite, c'est un cadeau du ciel. On va profiter de ton bébé. Ok. Mettons que je peux pas décider, je peux-tu au moins être impliquée? Parce que moi, j'aimerais ça y expliquer à Sonia ce que le médecin m'a dit. La femme s'occupe de Léa ici. Tu m'en fous d'elle? C'est ma fille qui m'inquiète? Oui, j'ai demandé à Jocelyne de s'occuper de Léa pendant notre rencontre. Tu pourrais l'avoir appelée, si tu veux. Ça, il suggère de l'opérer. C'est une opération d'une journée, c'est sous anesthésie générale, mais c'est assez banal. Je vais y jouer dans l'oreille, ils vont en rendre sourde! Non, c'est le contraire. Le médecin dit que si. Il s'en fout, le médecin, c'est pas sa fille qui se patienne non plus. Sauf que c'est moi qui va souffrir, puis c'est moi qui se rage avec le médecin en deux semaines, parce qu'elle fait otite par-dessus otite par-dessus otite. Mais si t'es allé, donne-moi là, m'en occuper, moi. T'as bien fait d'inciter pour l'opération. Je m'excuse d'avoir manqué. C'est vraiment honte tout ce que tu fais pour elle. C'est moi ce que je veux, c'est juste son bien. Salut. C'est spécial. Tu me quittes de sujet. Je voulais savoir comment ça avait été sa nuit. Je sais que tu penses que je suis tout croche là pis tout, mais je travaille fort à maudit. Tout un peu. Pis quand je vais reprendre Léa, je te jure que tu pourras venir la visiter. Par bout, là, je t'ai haï, là, à vouloir t'arracher la tête. Sauf que Léa est chanceuse en chien de t'avoir eu. J'aurais aimé ça, moi, avoir une mère de même. Je trouve que ça part bien l'envie en maudit.